coup, c'est une fille. Ah, c'est ça, ouais. Oui, pas plus loin. Ensuite, il faudra prendre les correspondances. Attendre sur le quai aussi, ouais, voilà, pour ouais, faire pour, dégager tout le monde. Ouais, pour réguler, il y a du monde, mais pas mieux derrière, à côté, qui dessert la même station. Moi, j'aime reconnaître que ouais, ça, si on est malin, on doit pouvoir s'en sortir. Ouais. Dans des cas, ils auraient fait un service noble. Oui. Bon. Oui, là, c'est... Château-Châtelet, c'est pas un... Oui, ça fait... Ça fait bon, oui, ça fait... C'est pour pas grand-chose, les gars. Lorsqu'il arrive les festivités du week-end, on est samedi, c'est normal. Parfait normal. En termes de service, ça change quelque chose? Enfin, qu'est-ce qui change? Le service n'est plus le même. En général, on fait 4 pour 5. Oui. Et là, le service est différent. Je fais deux fois château défense, et après je fais deux fois château défense. Ah oui, donc... Oui, enfin, je veux dire, tu finis quand même un peu plus tôt. Ouais, légèrement, ça dépend des services. Les services où c'est étalé sur 6h30, parce qu'il y a de la dispo, moi j'en ai pas sur les services. On fait ça en sorte, c'est vrai que essayer de prendre jusqu'à 1h30. Quoi. Mm-hmm. Donc de la dispo et un peu de trucs pour. Ensuite, à la limite, les voyageurs, sauf ceux qui cherchent un petit peu, ils feront plus la différence quand les premiers MP 05 rouleront. C'est prévu pour mi-juin. Mi-juin? En nuit. L'année prochaine. D'accord. C'est-à-dire en service voyageur, mais en petite nuit? Ouais. En grande nuit, jusqu'à 1h30. Quoi. D'accord. On commence à rouler la nuit. D'accord, et oui, ils vont faire en essai en grande nuit. Ouais, voilà. Déjà, il y a déjà eu quelques essais, parce que ça fait déjà un an qu'il est là, le premier, en gros. Ouais, ouais. À mon avis, ils ont fait des essais au niveau... lorsqu'ils croisent en train, c'est des caisses de voitures sur le choix, dans les cours. Oui, oui.
ça, mon métro, je suis tombé dedans quand j'étais petit. On n'est pas très nombreux. On se voit sur le réseau parisien, c'est diversifié quand même. Oui. Au niveau du matériel. Oui, on a quand même un chouette réseau, les aménagements de stations, des belles infrastructures. Ouais, c'est pas mal. Des stations fermées, des stations jamais ouvertes, c'est chouette. Avant aérien, ça s'impose. Oui, aussi. Alors, personnellement, c'est pas exactement ma préférence. J'ai toujours bien aimé le souterrain. C'est un peu bizarre, quoi. Il y en a. Ça change un peu, là, sur la 6, ça doit être sympa, tu vois. Ouais, vu qu'on traverse les... Toi, t'as toujours fait que de la ligne 1? Ouais, et de la 2. Oh, la 2, c'est sympa aussi. Ouais, là, c'est vraiment très varié. La clientèle, c'est quand même marrant. Il y a toujours plein de monde. Ouais, c'est vrai que c'est différent de l'année. T'en as fait qu'en 67 ou t'as conduit du MF01 récemment? Non, non, 89-67. Même pas le 2000. Ah ben maintenant il s'appelle le 01 en fait. Le MF2000, il devait s'appeler MF2000 et puis il a mis tellement de temps à venir que... Et puis comme, je sais pas moi, je me souviens quand j'étais gamin, on pensait ah l'an 2000, c'était un truc, ça allait venir, tout allait changer, ça allait être formidable, patati patata. Et puis bon, maintenant que c'est passé, ça commence à dater un petit peu, hein, les ordinateurs en l'an 2000, ils nous font rire aujourd'hui, etc. Donc tout ça, bon, MF01, hein, ça fera moins symbole raté, on va dire. So you see here you get the entrance or the former entrance to the Louvre substation, mm-hmm. because line 4 would have been passing just on us. Les trois postes de redressement sur terrain qu'il n'y a jamais eu dans le métro. En fait, le PR est à Louvre et pas à Châtelet, parce qu'initialement, la ligne 4 ne devait pas passer par Châtelet. Le centre du réseau, ça ne devait pas être Châtelet, ça devait être Louvre. Et puis, la politique, on a décidé autrement, et on a fait passer la ligne 4 un peu plus à l'est. Mais le point d'alimentation d'énergie, en 1895, il a été pensé ici, en 1898. Du CSA. Spécialiste des PV vicieux. Bon, bah.